Et salut les Herpapouilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, le monde qui nous entoure. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que tout part en couille et que tu peux absolument rien y faire? Cette vidéo est faite pour toi. Moi, ça a commencé quand j'avais la vingtaine, je pense. J'arrêtais pas de me dire, mais pourquoi les gens ils font ça? Pourquoi ils font ci? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont différents de moi? Pourquoi ils font toujours la même chose? Et pourquoi ils se copient entre eux? Et pourquoi ils râlent sur les autres? Et pourquoi ils jugent? J'ai passé des années à me torturer, à essayer de comprendre pourquoi les gens font telle ou telle action. Pourquoi est-ce qu'ils sont différents de moi? Ou plutôt, pourquoi je me sens moi différent d'eux? Et en fait, ça s'est enchaîné comme ça au fil des années, en arrivant jusqu'à la fin de la vingtaine, à me détacher de plus en plus de l'humanité, à me dire, mais merde, comment ça se fait que je me sente pas à ma place, bordel? Pourquoi j'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe? Les gens se font du mal gratuitement. Non mais c'est vrai, quand tu regardes, à une petite échelle, si tu te mets à la place de... d'un mec qui est en train de regarder une carte, tu te dis mais putain, mais comment ça se fait que ce gars il fait ça, il est en train de niquer sa vie, à faire chier les autres en fait, mais il perd du temps. Bien entendu, j'ai essayé de suivre le troupeau, d'être conforme, de me rattacher aux autres, ça n'a pas marché. Si comme moi tu te sens différent et que tu te sens pas du tout à ta place dans ce monde, franchement il n'y a qu'une seule solution, il faut que tu arrêtes de réfléchir. Faut vraiment que tu arrêtes de penser aux autres et que tu te focalises sur toi. Moi c'est ce que j'ai fait, je me suis dit putain mais tu comprends pas le monde qui t'entoure. Mais en fait, arrête juste de le comprendre. Et tu verras, ça ira mieux. C'est ce qui s'est passé en fait. Dès que j'ai commencé à avoir 30 ans, j'ai commencé à prendre une claque dans ma gueule en me disant mais putain, toute l'énergie que j'ai dépensée à essayer de comprendre ce qui m'entoure, alors qu'au final, j'en ai pas besoin. Il y a des choses que tu peux pas comprendre, mais tant pis, c'est pas grave, tu les comprends pas. Tu les comprends pas, tu veux pas les comprendre en fait, c'est encore mieux. Tu veux pas les comprendre. Tu t'en fous. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à être heureux, vraiment heureux, parce que je me suis détaché d'un poids, tout simplement. Quand tu commences à avoir quelque chose, une noirceur telle qui te pèse au moral et puis qui te prend les tripes, en fait, si t'arrives à t'en détacher, bah, c'est comme si t'enlevais une tumeur. C'est comme si t'enlevais un méga stress dans ta vie. Et honnêtement, ça m'a fait du bien, mais tu peux pas savoir à quel point. Bien sûr, j'ai encore plein d'autres soucis essentiels à régler, mais ça, je pense que c'est un souci vraiment majeur. T'occuper de toi-même, évidemment, tu t'occupes de toi-même, mais tu penses pas qu'à ta gueule. Ça, c'est pas ce que je te demande de faire. D'ailleurs, je te demande rien, en fait. Tu regardes cette vidéo si ça t'intéresse. Moi, c'est ce que j'ai fait. Franchement, ça me réussit parce que je suis de plus en plus heureux. Si pour toi, la réussite, c'est fonder un foyer, avoir une copine, te marier, faire une maison, avoir des enfants, acheter un chien, éduquer cet enfant aussi, aménager ton jardin et que t'es sûr de ça, la réussite est là, mec. Par contre, si tu te poses 50 000 questions et que t'es en train déjà de t'évader et te dire merde, pourquoi je suis pas à ma place? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi, en étant conforme, je n'arrive pas à être heureux? Il est temps de t'écouter, il est temps que tu te barres et franchement, fais-le. Pour toi-même, mais aussi pour les autres. Moi, je vis inconforme. Je ne supporte pas de faire la même chose que le troupeau. D'ailleurs, je vais t'en parler. Je vais faire une vidéo sur ça. Ça va être incroyable. Il faut que je fasse une vidéo sur les moutons. Voilà, les gens qui cumulent les associations d'idées et qui font la même chose que leurs voisins, en fait. Ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'ai envie d'en parler. Ça va être facile pour moi d'ailleurs. Étant donné que même à l'époque des textos qui coûtaient 10 centimes, je les écrivais en entier, même si ça faisait 2-3 SMS, t'as compris le délire en fait. Il faut pas rentrer dans le moule. Maintenant, tu vas me dire, oui, c'est important, ça peut être important d'écouter les autres, d'écouter le monde qui t'entoure, d'écouter tout ce qui se passe, tout ce que tu ne comprends pas, ça peut être intéressant. Si vraiment t'as envie d'étudier l'humanité, ça c'est une sacrée affaire, mais franchement, je te laisse. Vas-y, si c'est ta passion, fais-le, putain. Mais moi, c'est pas mon truc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos, c'est que je me suis dit, merde, c'est trop con, t'as envie de faire ça depuis toujours, fais-le, pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche, en fait? Personne. Là, je suis en train de parler à une caméra, c'est juste un objet qui est devant moi, il y a personne, en fait. Et on ne me coupe pas la parole, ça, c'est cool. Je peux dire absolument ce que je veux. T'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est pas grave, en fait. Moi, ça va rien me changer. Même si je vois un avis super négatif qui est en train de m'insulter, finalement, ça va rien me faire, ça va m'apporter que du bonheur. Parce que je vais me dire que lui, il a rien compris et puis qu'il est forcément frustré de sa vie. Je vais te donner un petit exemple qui m'est arrivé récemment. J'ai posé mon vélo devant une banque, en fait, pour aller retirer. J'ai pas fait attention, mais devant la banque, il y avait un petit panneau interdit au vélo. Donc interdit d'appuyer son vélo. En gros, c'était ça. C'était tout simple, mais j'ai pas fait gaffe. J'étais dans ma bulle, j'avais mes écouteurs. Je rentre dans la banque, je retire, je sors. 2 minutes, montre en main à peu près. Je me fais incendier en sortant, en récupérant mon vélo par une vieille dame. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais comment on peut en arriver à un tel état de colère, alors qu'au final, quelle est mon erreur? Qui j'ai fait chier, en fait, c'est ça. Et je l'ai regardé, la dame, je lui ai dit, mais vous allez réellement passer une mauvaise journée à cause de moi? Et elle me dit, oui, c'est à cause des gens comme vous que moi je deviens comme ça, mais c'est pas possible. Elle se faisait, mais elle s'est fait un espèce de monticule, de damas, de merde, de société, de tout ce qu'on lui a ordonné toute sa vie, parce que c'est désordre, hein, ce que vous voyez sur les panneaux publicitaires, sur les factures, sur les textes de loi. Ça, c'est désordre. Après, évidemment, il y a des choses à respecter. Comme j'ai déjà dit juste avant, évidemment, il faut respecter les autres. Ça, c'est sûr. Tu respectes les autres, déjà, tu seras plus heureux toi-même. Même en aidant les autres, tu seras plus heureux toi-même. Moi, si je peux t'aider en déballant ma vie avec des petits exemples comme ça précis, pour te faire réaliser que, putain, si tu te sens pas à ta place, mais en fait, casse-toi.
C'est là qu'est le moment de réaliser ton rêve, tu vois. En tout cas, de suivre tes idées et d'essayer d'en faire quelque chose. Du coup, cette vieille dame, elle s'en va. J'étais tellement frustré à ce moment-là, c'était il y a quelques mois de ça. Je suis allé boire un café pour me détendre. J'ai bu mon café et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, ces gens-là, si t'es pas solide, ces gens-là, ils te font tellement te morfondre, tu te dis, merde, toi aussi, tu vas devenir comme eux, quoi. Eh ben non, l'erreur, elle est là. Ne surtout pas devenir comme eux. Un autre exemple, ça a dû t'arriver des tas de fois en voiture, tu t'engages un petit peu trop tôt dans un rond-point, tu fais pas attention, t'as un mec qui arrive, qu'est-ce qui se passe, en fait? Il te suit, te fait des appels de phare. Bon, ça, tu vas me dire, c'est classique. Mais quand il te suit sur un kilomètre ou deux en faisant ça, et l'appel de phare klaxonne, tu te dis, mais attends, j'ai vraiment niqué sa vie, en fait, à lui. C'est un truc de fou. Comment ça se fait que les gens font ça? Ben, ils sont frustrés. Ils sont frustrés, ils sont pas heureux, ça, c'est sûr, ça se voit à 2000%. Et pourquoi ils sont pas heureux? Parce que peut-être qu'ils sont pas à leur place. Et pourquoi ils sont pas à leur place? Parce qu'ils se font bouffer par tout ce qui les entoure, aussi simple que ça. Voilà ma déduction, tu peux pas comprendre le monde qui t'entoure, en tout cas moi je l'ai pas compris et je ne le comprendrai jamais. Donc à partir de là, fais ce que tu veux, franchement sois heureux, fonce. Si t'as des idées qui te paraissent complètement loufoques pour n'importe quelle personne qui te regarde ou qui t'écoute, mais fais-le. D'ailleurs, les personnes qui vont pas comprendre ce que tu vas faire, ton projet, sont souvent les plus proches de toi et ça c'est ce qui t'affecte le plus. Que ce soit ta famille, tes super amis, ou n'importe qui. Par exemple, j'ai envie de continuer ce tatouage, j'ai envie de le faire aller sur ma main. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Même les plus proches m'ont dit, fais attention de ne pas faire un tatouage sur la main pour ton métier. Mais en fait, je ne vais pas m'adapter à un métier parce que j'ai envie de faire quelque chose qui paraît un petit peu aberrant. Mais aberrant pour qui en fait? Je m'en fous. Si c'est aberrant pour les autres, ça n'est pas pour moi. Le principal, c'est toi. Et si quelqu'un dans un métier quelconque ne veut pas de moi à cause d'un tatouage sur la main, c'est pas grave, j'irai ailleurs, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas à toi de t'adapter au monde qui t'entoure, c'est au monde qui t'entoure de s'adapter à toi. De te subir s'il le faut, c'est pas grave. Ils te subissent et alors? Ils vont te détester les gens? Qu'est-ce qui se passe? T'en as rien à foutre. Tu t'en tapes. En attendant, toi t'es heureux et eux ils sont frustrés. Je vais vous laisser là, j'espère que cette nouvelle vidéo BAV vous a plu. Franchement, c'est un nouveau format qui me tient à cœur. Et s'il marche, tant mieux. S'il marche pas, tant pis, c'est pas grave. Au moins, je ferai ce qui me fait du bien. Voilà, ça c'est trop important. J'écris des textes depuis longtemps sur Instagram, je sais pas si t'as déjà vu ça. Va sur mon compte Instagram et tu verras, il y a énormément de textes basés sur mes expériences personnelles. Si ça peut t'aider, tant mieux. Si ça ne t'aide pas ou que tu te reconnais quelque part, essaye de creuser peut-être là-dessus, mais chez toi. Et vous, vous en pensez quoi de tout ça? N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, que ce soit positif ou négatif. C'est égal, au moins on peut discuter. D'ailleurs, moi je suis ouvert d'esprit, toute remarque est bonne à prendre. Franchement, si t'es pas d'accord avec moi et que t'as des arguments et que tu me démontres par A plus B, que je me trompe, que je fais fausse route sur la quête du bonheur, parce que c'est ça l'objectif de ce nouveau petit format, c'est la quête du bonheur en fait, tout simplement. Bouffer d'air vrai, sois toi-même, accepte-toi. Et franchement, si t'es capable de te regarder dans le miroir tous les matins et de même sourire à qui tu es, ça veut dire que tu ne te mens même pas à toi-même et t'as tout réussi. Partage cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi si t'es tout neuf et laisse-moi un gros pouce. Mais avec douceur et légèreté, s'il te plaît. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de ceux qui vous aiment. Ciao.